Brunet, bonjour, bienvenue dans ce studio de Radio Sorbonne. Euh, vous êtes euh, enseignant-chercheur, euh, professeur à l'université de Rouen, vous êtes euh, spécialiste de grec ancien, notamment de littérature archaïque, de théâtre. Vous avez publié, entre autres, un remarquable essai sur la naissance de la littérature grecque. Vous êtes aussi le fondateur du théâtre des cos qui est spécialisé dans le théâtre antique. Et depuis 1995, depuis 1995, vous êtes tour à tour, metteur en scène, scénographe, musicien, acteur, traducteur, et comptez plusieurs centaines de spectacles à votre actif. Vous êtes aussi le directeur artistique des Dionysies, le Festival de Théâtre Antique à Paris, depuis 2006. Vous êtes enfin un traducteur euh, émérite, notamment euh, auteur d'une Iliade euh, en hexamètre dactylique français, euh, publié au Seuil, et on attend avec impatience euh, l'Odyssée. Mais aujourd'hui, on découvre une euh, facette un peu différente euh, de vous, plus personnelle, dirons-nous. On verra en quoi ce personnel est peut-être pas si personnel. En publiant un retour à Fukushima qui euh, retrace euh, la vie ou une partie de la vie de votre arrière-grand-père euh, japonais, Eijiro Haga. Je ne sais pas si la prononciation est correcte. Et pour l'occasion, du coup, vous signez euh, Philippe Brunet Haga. 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 Avec <laughs> esprit rude. <laughs> Bien. Qui Pouvez-vous nous dire deux mots déjà sur la, la genèse de cette œuvre euh, avant qu'on parle un peu plus de votre de, de Eijiro Alors euh, en fait, c'est j'étais c'est dans les années 2000, au milieu des années 2000, disons j'avais quasiment fini l'Iliade, mais il fallait pouvoir vraiment euh, corriger suffisamment pour arriver à en faire un livre. Et ça, ça m'a mis pas mal de temps, ça a encore mis 6-5 euh, ans à peu près. Et donc, pendant ces dernières années, j'ai senti vraiment le besoin, très... c'était aussi lié au fait, c'était lié à l'endroit où je vivais à l'époque, euh, au bord de la Seine, euh, et en Normandie, dans, dans... sous une falaise. Et en fait, j'ai repris une activité d'écriture de, de, de poèmes que, que disons, avec laquelle je n'avais pas renoué depuis un certain nombre d'années, dans un rythme dans lequel justement j'avais déjà écrit des textes qui ont parfois été mis en scène intégrés à des spectacles qu'on avait montés, euh, intégrés dans des spectacles euh, des tragédies grecques par exemple, ou du moins dans leurs adaptations. Et puis donc c'est ce rythme qui, qui m'a un peu repris. Mais au départ il n'y avait pas du tout de, ni sujet défini, euh, ni du tout d'intention d'aller vers le Japon, et encore moins d'aller euh, d'aller m'occuper de mon arrière-grand-père japonais. C'était pas du tout prévu, j'avais aucune intention. Et donc c'est d'abord c'est de retrouver un peu confiance dans, dans ce rythme en français, de retrouver le, une espèce de pas de mécanisme, mais de, le fait de pouvoir avancer, de pouvoir arriver à, à écrire, à produire un vers, à le dire, à l'entendre, et en enchaîner un, deux, trois, à continuer. En fait, c'est une jeune genèse comme ça, un peu un peu mystérieuse. Et puis, le fait que j'allais bientôt finir euh, l'Iliade, et ça, c'était très embêtant. Et l'idée de devoir finir sans avoir quelque chose de commencer, ça, c'était terrifiant. J'avais <laughs> très peur de me retrouver dans un vide absolu. Donc. Euh, et aussi, c'était de me faire concurrence à moi-même, parce que j'avais donné tant d'années, tant de temps pour cette Iliade, et, et en même temps, il y a peut-être autre chose à chercher, à creuser dans la langue. Mmh. Et euh, à partir de 2011, il y a cet euh, accident effroyable de Fukushima. Est-ce que ça, ça joue, ça joue un rôle, ou comment ça, comment ça fonctionne Parce que pour nous, évidemment, euh, j'allais dire occidentaux, euh, Fukushima, euh, c'est la catastrophe de Fukushima. Oui, alors en fait déjà à partir de les premiers fragments c'est 2008-2009 euh, et à partir de mi 2009 c'est vrai que j'ai commencé à me tourner vers la Russie et puis comme parallèlement en fait ma mère avait euh, japonaise m'avait euh, traduit le journal de de son grand-père une partie Hirohaga voilà et Haga. Haga et Hiro même son le nom avant Et... Donc, on, on avait lu ce, ce journal, et notamment la partie du journal qui se passait en Sibérie, ça m'avait bien, bien amusé, bien intéressé. Et après, on avait été allé voir dans d'autres parties de son journal rétrospectif qu'il a écrit dans les années 30, mmh. sur son enfance, et donc le, sur cette période charnière, de, évidemment, de la restauration de l'empereur Meiji. Et donc, il y avait comme ça de, des choses, euh, des petites choses là, que, que j'ai attrapées, j'ai pris quand même des notes. Euh, sérieuse le, le journal il est assez succinct il est, est un journal il n'est pas hyper est pas très littéraire il, mmh. le, Les et ses, cet ancêtre était médecin il rentrait d'Allemagne où il avait fait ça euh, deux ans à Berlin et où il avait envoyé à qui sur ses économies la, la première machine à rayons X qui s'appelait pas encore des rayons X la machine de Röntgen et il avait envoyé au Japon et donc, c'est vrai qu'on peut dire qu'il est l'initiateur du travail sur la radioactivité dans le Japon moderne. Mmh. Et donc, après, il va continuer à travailler. Bon, on va faire cette, cette carrière euh, à la fois militaire et médicale. Euh, donc, carrière euh, enfin, de, de médecin dans l'armée. Et évidemment, euh, bon, comme, comme en, au moment de l'époque de Meiji, donc vers 67, il n'a que, que 4-5 ans. Donc. Euh, euh, il n'ira pas, pas jusqu'à la guerre, disons. Voilà. Donc, il sera. Dans le cours des, des années 30-40, il va arrêter sa carrière professionnelle. Mais évidemment, évidemment il, le Japon va être attrapé par cette histoire de, de radioactivité avec la bombe atomique. Mais on, au départ, on ne savait pas du tout euh, quelle était ouais. la cause de cette, euh, cette déflagration aussi dévastatrice. Et ça n'est qu'après, lorsqu'on a vu que les pellicules euh, avaient ah oui. été impressionnées, lorsque les radios... Enfin, euh, non, non, pas les radios, justement, les... Oui, les radios étaient... Justement, oui, la radio était impressionnée dans... dans... Et donc, ce qui servait uniquement à usage médical, on a découvert qu'en fait, on avait fait un usage euh, militaire euh, et meurtrier. Voilà. Donc là, on et... parle de, de, de la Deuxième Guerre mondiale Oui, c'est ça, Hiroshima. Voilà. Oui, Hiroshima. Et ensuite, effectivement, euh, rattraper aussi les hagas par, euh, par euh, la catastrophe de Fukushima euh, en 2011. Donc, comme ça, la radioactivité parcourt finalement le... le... Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, c'était une espèce de voyage d'Ejiro, puis c'est devenu euh, un voyage de retour, parce que j'imaginais qu'en en rentrant, en quittant l'Europe et en revenant au Japon, en, en choisissant de passer par la Sibérie... Ça c'est authentique, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Donc d'une certaine manière, il vivait un peu cet intervalle entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Et puis et dans le fond, dans le fond, j'avais quelque chose à faire, à travailler sur, cette, sur cet intervalle moi aussi. Et donc j'ai voulu l'accompagner, puis reprendre et le, le, lui faire intégrer ce rythme particulier. On en parlera peut-être. Oui. Et, oui, donc voilà. il faut quand même, enfin, faut quand même préciser cette histoire parce que là, effectivement, on parle, on a, on a le livre, on l'a lu, on a le livre sous les yeux. C'est c'est le, 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 le livre qui qui est devant nous, le retour à Fukushima. C'est la forme, c'est un poème. On, on en parlera tout à l'heure, qui raconte le retour d'Eijiro de Berlin à Fukushima, en passant par la Sibérie, qu'il traverse en gros seul ou un peu accompagné, d'abord euh, en train, puis à cheval, puis de nouveau euh, les, 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 derniers, euh, centaines, les dernières centaines de kilomètres, euh, bah, évidemment euh, en bateau au bout d'un moment. <laughs> euh, <coughs> donc voilà, c'est donc ça la trame de l'histoire. Il n'y a pas euh, du tout euh, de... Évidemment, c'est n'est pas un, un pamphlet sur la radioactivité ou quoi que ce soit, ça n'a rien, rien à voir avec ça, ce pas parce qu'on en parle au début que, que c'est très très fort, c'est juste euh, les, ces coïncidences, ces, ces incidences qui viennent euh, euh, marquer, euh, ponctuer l'histoire comme ça, mais plus comme des réflexions succinctes que vraiment euh, euh, un impact au long cours, si je puis dire, sur, la, sur, le, sur le récit. Alors le récit, euh, parlons-en justement, c'est un, un récit en vers qui alterne première personne, troisième personne, qui donc, qui, qui, qui est, si, si je puis dire, un peu dialogué, un peu dialogué à dialogue monologue intérieur. Euh, c'est un poème. Il y a de l'histoire vraie, puisque ça part de, de, de carnets, de notes. Et puis ensuite, il y a tout le reste, toute la fiction euh, que, que, vous, que vous inventez. Et que, quelle, est la, quelle est la part comme ça de, de, de réel et, et de fiction vers, vers où vous alliez C'est-à-dire que le point, euh, l'année où il part de Berlin, c'est 1898, et donc euh, et il va arriver tôt ou tard au Japon. Donc, euh, est-ce que c'est en deux mois Est-ce que c'est en six mois Est-ce que c'est dans un an Bon, ça c'est bien sûr, la chose est très précise dans le journal. Donc je pourrais dire exactement combien de jours il, il a fait son voyage. Mais moi, je l'ai fait traîner un petit peu, je l'ai fait ralentir. Et comme s'il ne fallait pas arriver, comme si en même temps, ce moment de, de méditation, de, de réflexion sur, sur l'avancée, la marche, le, était l'occasion à la fois d'essayer de saisir d'où il venait, mais en réalité, d'où il venait, c'est là où il allait, et, et en même temps ce qu'il quittait, ce qu'il avait découvert en Europe, euh, qu'est-ce qu'il avait appris de l'Europe, qu'est-ce qu'il était allé apprendre en tant que japonais, jeune japonais, médecin euh, moderne, euh, épris de la science occidentale aussi, euh, et puis bon élève justement à l'école de Rutgun et quelques ouais. autres. Et donc, il y avait ce regard scientifique. Et puis, euh, je ne veux pas dire qu'il avait une, une propension particulière euh, vers euh, qu'il développait un sentiment de la nature ou un, un lyrisme personnel. Euh. Il y a une, bien sûr, il y a quelques poèmes dans son journal, mais c'est normal que des haïkus. non Ça se fait dans toute euh, enfin au Japon. Alors, il venait d'une d'une famille, euh, on va dire. Euh, d'une certaine une petite noblesse d'épée. Euh, c'est ça. Euh, donc, ce n'est pas, pas une, une grande noblesse euh, aristocratique, euh, euh, même s'il la croise, euh, même si il, il son clan, le clan d'où il vient, c'est Aizu. Euh, et, et Aizu, c'est donc dans le département de Fukushima. Et donc... Euh, au fur et à mesure qu'il marche et puis quand, quand l'hiver approche quand la neige tombe euh, bien sûr les souvenirs de la marche en hiver parce qu'au Japon il n'a fait que marcher euh, lorsqu'il a quitté avec sa famille euh, la ville de Wakamatsu aujourd'hui c'est Aizu-Wakamatsu Aizu c'est le, le nom du clan et Wakamatsu le nom du, du château, du fief Eh bien euh, donc il renoue par la marche ou par, par l'avancée, avec toutes ces, toutes ces traversées, en fait. Euh, traversée avec son père, euh, son père qui... Euh, il n'a il pas, pas quitté euh, Wakamatsu avec son père, puisque quand, comme il avait 4 ans, euh, son père était, lui, engagé dans, dans les combats. Euh, les combats que le fief d'Aizu a menés par solidarité avec euh, le shogun, euh, mm. donc contre les armées euh, coalisées autour de, de l'empereur Meiji, qui était un, un enfant, donc... mais qui avait été un peu, enfin, je ne sais pas, historien, mais circonvenu par, par les fiefs de Satsuma et Choshu, on dit Satcho en, en condensé, et donc euh, par une espèce de, alors que le, son père avait la garde de l'empereur à Kyoto, il s'est retrouvé contre les, les armées qui portaient la bannière impériale, et contre cette bannière impériale, justement, le, le, le shogun euh, n'a pas voulu euh, n'a pas voulu combattre à Kyoto, c'était la, la fameuse bataille de Fushimi Toba. Et il s'est enfui, donc il a, en quelque sorte, il ne pouvait pas absolument renoncer, mais il, pour lui, c'était très clair que, que le, le shogunat devait abdiquer. On mmh. s'appelle aussi le bakufu. Le mot est employé, donc, comme ça, quelques mots japonais. Oh oui. Il y a un peu d'histoire japonaise. Enfin, en tout cas, c'est dans ah, là, cette histoire japonaise que lui, il, il, il puise un peu pour essayer de. En tout cas, il revit ses histoires. Il revit, et le moment où il est revenu avec son père à Wakamatsu, donc son père samouraï avait dû, bien sûr, renoncer au statut de samouraï, qui, qui n'allait pas tarder à être aboli en 1871. Et puis son père a été emprisonné, puisqu'il était combattant contre. Mais mmh. après, donc c'était des années de misère et. Puis à un moment, il est retourné quand même à Wakamatsu parce que sa mère était là-bas, auprès de la grand-mère. Il était restée là-bas, donc euh, il a vécu cette traversée dans la neige. Euh, et on retraverse... sa métidation euh, et le, le lyrisme le, naturel, euh, qui est pas vraiment un lyrisme naturel, mais voilà, on, on comprend mieux. Euh... En, en tout cas, le, oui, le, le sens de la marche, le goût ouais. de la marche, le, le martèlement par le rythme euh, trochaïque dans un rythme binaire. Euh, donc c'est effectivement voilà cette coïncidence des des époques euh, par le rythme par le par le par le corps par le corps, ouais, en, marche, le par, corps par, par, en marche par, par les pieds euh, disons par l'alternance des pieds <laughs> que ce voilà. soit ceux du cheval ou, ou les siens propres oui. et ceux de la poésie euh, justement parlons-en euh, la, la friction qu'il y a entre la fiction et le réel elle se manifeste aussi par justement des des, des, mo des moments où euh, on part dans des prophéties, ça, ça c'est la possibilité que rend la poésie, c'est la, la possibilité prophétique, et on a, euh, on a des, des, des beaux moments comme ça où Ejiro euh, e. euh, ben voilà, prophétise l'avenir, bon, évidemment nous on le connaît a posteriori, donc on, il ne peut que dire vrai, Mais en même temps c'est l'occasion de, euh, de, de dire un petit peu euh, ce qu'il pense, ce que l'on pense du... De, du XXe siècle ou plutôt du siècle euh, du siècle 20, comme euh, comme c'est dit euh, on pourrait peut-être euh, euh, à cette occasion euh, je sais pas lire euh, lire une première lecture faire une première lecture oui juste pour, pour introduire ça c'est ce pas des prophéties il n'est pas prophète mais disons que il y a y a un moment où il tombe euh, un peu malade il est recueilli euh, oui. il est dans un village et et là, il reste passe quelques temps au plus fort de, de l'hiver et voilà, il est en contact avec des, des gens qui pratiquent des espèces de comme ça de d'états de méditation et et donc c'est l'occasion pour lui effectivement de d'être accompagné par quelqu'un, une espèce de chaman et donc il il revit un peu comme des, des métamorphoses alors euh, donc d'un peu un peu à la manière de d'un empédocle dans ses expériences un peu visionnaires, ou, ou bien sûr de, de Virgile et de Dante, ou voire d'Homère dans l'Odyssée, mais il a des moments où, comme ça, il l'avenir le, le, euh, passe pas par des, ouais, des, des visions un peu fantastiques qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas analyser, euh, puisque forcément. Elle, elle, parce que tout le reste du, du, du poème, j'essaie de l'écrire avec la connaissance qu'il pouvait avoir en 1898, c'est-à-dire euh, de ne pas oui. dépasser, euh, de ne pas être anachronique, euh, pas, pas trop anachronique, disons. Alors, est-ce que vous avez un passage en particulier euh, que, que vous voyez Insensiblement, je franchissais la zone du présent et m'aventurais dans l'avenir, tout proche ou plus lointain l'air des colons, colonnes traversant la Mandchourie, les collines de Corée, riches localités d'Asie, les usines près des ports, l'urgence de sidérurgie, cuirassés, fendant le Pacifique, vomissant le feu dans l'azur inaltérable, sillonnant les champs du ciel, des oiseaux de fer aux ailes déployées frayant les airs, Foule mitraillée et rive du Yangtze chargée de corps, civils enterrés dans les sous-sols, massacres, exactions, hurlements et lentes consomptions de membres torturés, expériences pseudo-médicales, soif d'ignominie, femmes asservies au loin à des emplois de réconfort, douce impunité, servile, obéissance, négation innocence et imposture, impunité de tout l'état, douce excuse, honneur au crime, éternité du déshonneur. Je continue, bon, mais c est, c est, c est, en fait, pris comme ça, euh, c'est assez violent, assez brutal, c'est ouais. juste un moment dans, et brutal pour, euh, pour le Japon, bien sûr, dont, dont il entrevoit les, les certains nombres de, 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 de forfaits dans, dans la Chine colonisée, occupée. Oui, le fameux massacre de Nankin. Oui, il y a, il y a des... Comme ça, effectivement. Mais il n'y a, a pas que, que le, le Japon qui est ici si un peu... Évidemment, c'est très important que lui puisse en faire, euh, non pas l'aveu, a euh, posteriori, comme c'est si douloureux à, à obtenir Porter. des Japonais d'aujourd'hui, mais de, de, malgré tout, euh, d'en faire euh, l'aveu euh, dans le sens inverse, en quelque sorte, mm -hmm. en, en en pressentant le, et en en découvrant l'horreur à l'avance. Et puis, il y a aussi, évidemment, euh, le moment que, que tout le monde reconnaît. Et, et là, c'était le souvenir d'un survivant de, de l'explosion qui était passé chez ma mère à Paris et, et qui a raconté exactement comment il a vu le, le toit de la gare se soulever. C'est des souvenirs que j'ai, que j'en ai reparlé à ma mère récemment. Elle ne se souvient pas du tout, ce monsieur. Elle ne sait pas qui c'est. <laughs> moi, je n'ai rien oublié. Je suis dans un wagon. Le train a fait une halte à ce moment-là. Une lueur a jailli, étincelante dans le ciel. Sous mes yeux, la gare se soulève. C'est le toit qui part et retombe dans un ouragan de poudre à grand fracas, comme un feu qui tout éclaire, tout embrase autour de lui. Feu sans flamme, éclair sans foudroiement, brûlure sans chaleur, longue incandescence traversant les chairs et les iris. Se laver, quitter les vêtements salis, partir en vain, yeux oblitérés, noyés, cheveux tombés, corps grenés, larmes asséchées, rivières effacées, empoisonnées. Un instant je flotte et vois la plaine dévastée Jadis, une ville fumerolle, cendre, territoire mort, comme après un tremblement du dieu ébranle le sol, quand le sol s'est fissuré, quand sont gisant les chauds, gis de papier. Feu de joie comblante, un dieu jaloux et joue ras du sol, vit là-bas s'avilissant, anéanti, sans ennemi, etc. C'est etc. Ah, magnifique. Là, on sent en plus euh, euh, très très bien euh, ce, ce, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la force de, du verre, du verre trochaïque. Alors, pourquoi le choix de, de ce verre euh, D'où est-ce que ça vient Et pourquoi euh, ces références euh, à, bah, par exemple, à Archiloc, euh, euh, le parien Un parisien, euh, ce, ce qu'un parien a fait, le par, un parisien peut le faire. Le ça, refera. Le refera. Voilà. <laughs> Alors, ce qu'un parisien a fait. Ce, non, c'est comment Ce, <laughs> ce qu'un parien. Ce qu'un parien avait fait, un parisien le refera. C'est pas tout à fait ça, mais le verre est correct. Un parien l'a fait jadis, un parisien le refera. Oui, c'est d'accord. C'est ça. Donc, un parien l'a fait jadis, ta-ta-ti-ta-ti-ta-ta. ta 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 À l'arrivée, quand c'est qu'un nombre de syllabes réguliers, c'est 15 syllabes. C'est ça. Et 15, c'est avec 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut dire que c'est très souvent avec cette euh, césure-là, en, en deux hémistiches plus courts, 7 et 8, qui sont euh, une espèce de, de, de modules prosodiques un peu fondamentaux euh, dans presque toutes les langues, toutes les prosodies, évidemment au Japon, dans la poésie japonaise, euh, qui est syllabique, euh, donc le, le vers de 7 syllabes est essentiel. Et puis on est très proche aussi des slokas de la poésie indienne, la, la grande épopée. Indienne. Et évidemment on n'est pas dans on n'est pas du tout dans l'épopée euh, antique euh, non, pas l'examètre voilà et l'examètre il est il n'est pas rimé à ce, ce rythme qui fait marcher en quelque sorte l'examètre mmh. lui vole c'est autre chose il, il fait passer tout d'un coup deux syllabes en une tandis que c'est plus difficile avec le vers d'archiloque c'est quelque chose qui est plus ancré dans une espèce de de, de martèlement alors dont archiloque fera de la poésie on a dit parfois personnel un des premiers cœur mon cœur tout déchiré d'irrémédiable deuil et ensuite ce, ceux qui prendront ce vers ce sont évidemment les, les poètes tragiques les poètes dramatiques euh, tragiques et comiques de, du 5e siècle qui découvriront que dans, dans cette parole euh, cette poésie parlée il y avait quelque chose de, de très très puissant alors trochaïque ou iambique c'est la, la même chose presque la même non, chose presque ouais. <laughs> ça dépend <de> l'attaque <laughs> oui et euh, donc tout, le, tout, le, tout ce long poème est divisé finalement en quinte ou quintile et en distique. Il y avait une, y avait une raison à ça Ou est-ce que c'est parce que ça, le, le, la quinte ou le quintile permettait d'asseoir, de, 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 de définir une pensée euh, J'avais noté quelque chose d'un peu aphoristique. C'est vrai que l'astrophe bon, par excellence, la plus courante, c'est celle de quatre, euh, de quatre vers en, France, en, en poésie française. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent senti que ça, ça donnait quelque chose de plus cyclique avec le 5. Avec le 5, c'est le chiffre sphérique par excellence dans, dans, dans la conception esthétique, astronomique, euh, cosmologique euh, des, des anciens Grecs. Et. Et j'aimais bien avoir cette espèce de clôture. Ce fait que le poème de cinq, enfin je l'appelle une quinte, mais ou un quintile, c'est comme vous voulez, mais il est vraiment clos sur lui-même. Il est très rare que. Il est d'ailleurs très difficile à enchaîner avec un autre quintile, mais on y arrive parfois. Donc parfois il y a des. Par exemple, celui-là. Au milieu tout juste, à mi-distance des extrémités, le chemin serpente, les lacets me donnent le tournis. Le vertige me saisit, l'abîme s'ouvre sous mes pieds. Chaque pas, un aigle ronge foi, orage dans le ciel. C'est donc là que me promenaient les promesses de l'été. Et en même temps, la réponse, parce que là j'ai disséminé quelques sons qu'on a déjà reconnus d'avance, mais je n'ai pas donné l'identifier du mot, du nom anagrammatisé qui apparaît dans, dans le quintile d'après. Curieux désir que d'être enchaîné sous un toit d'airain, accablé par l'ardeur du soleil et d'expier ainsi. Je ne sais quel vol dans la férule creuse Prométhée. Mon calame sait ce qu'il te doit, ô oh, m'étendre un instant entre l'Europe et l'Asie, suspendu entre terre et ciel. Comme voilà. S'il si peut y avoir un moment d'équilibre euh, possible en, en, au milieu entre, entre l'Europe et l'Asie, à la place de Prométhée. C'est très 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 beau. J'avais noté aussi aux alentours de euh, aux alentours de 1880, vers 1890, oui. chose de plus euh, aphoristique encore ou en tout cas euh, éthérée. L'âme. Vas-y. Non non. Allez-y allez-y. L'âme n'a pas de limite, pas de seuil, juste un sillon ou tracer quelques nervures, quelques empreintes dans le sol qui déchire le néant et s'interrompt. Pourquoi Sinon, comment pourrait-on recommencer L'âme est pirate dans l'âpreté du sol, partage entre le pire et le meilleur. Ouais. Oui, bah, c'est très, très... À la lecture, ça sonne pas mal. C'est bien d'entendre de, de, <laughs> de la voix d'un autre. Et cette sorte de pirate, évidemment, c'est une espèce, une, une, une écoute, on va dire, d'une transcription euh, phonique d'un mot grec, dans un fragment d'Héraclite, Psyches peirata, donc les, les limites, les confins de l'âme. Voilà. Mmh, peirata, pirate. <laughs> c est, c est, <laughs> je, je vais être calé au capes, je mais, euh, <laughs> <laughs> mais... Mais non, mais, mais, mais ça, 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 ça dit bien aussi, euh, euh, change de sujet, mais ça dit bien aussi votre attachement à la forme et au, à, à la matérialité du son, euh, qui est... Euh, qui est aussi euh, première, vous avez. il bon, y a. Euh, a c'est un. Comment dire Ce, 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 ce poème est, 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 est pris de, 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 de culture. Il de, y, y a des vers vraiment magnifiques. Je pense à une écuia, euh, donc une, une descente aux enfers, entre guillemets, euh, qu'on qu pourrait dire. Et puis après, je, je donc c'est aux alentours du 1180. Et, euh, et puis en, après, on reviendra sur la notion de forme. Euh, une dernière lecture, puis je vis venir un autre tourbillon inattendu, héroïne de jadis, gardienne du détour gnosien, dénouant entre ses doigts le fil ténu des destinées, magicienne à l'île des douleurs, accusant le soleil d'avoir vu en vain et revenant toujours au même lieu, à ah, l'instant fatal avec la même épée, les mêmes mots, jeunes filles triomphantes, jeunes épousées d'un jour, meurtrières, mains ensanglantées du sang de leur époux, mère infanticide, amante abandonnée, trop tôt trahie, délaissée, inconsolable en son palais inachevé, toi aussi Comblé par le retour de ton époux après une longue attente et revivant l'attente après la fin, toi aussi perché sur tes rochers, ô jeune Parthénos, à jamais lavant ton linge au bord du fleuve de Skerry, sans un regard pour le paysan barbu qui fut, dit-on, dans une autre vie, preneur de Troie au renom éternel et qui, retournant la Marne, creuse ses nouveaux sillons patiemment avec sa rame polie par les flots marins toi aussi passant <laughs> <laughs> bon on sent on sent cette, 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 cette entraînement cette... En fait, on, au bout d'un moment le, le la forme euh, procaïque nous pousse à une certaine transe c'est à dire que on, 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 on se sent pris par le pris par le texte absorbé euh, et, 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 et ça nous rapproche de lui. Hein c est, c est, c est Alors là, c'est très intéressant, cette, euh, cette, ce goût pour la, pour la forme métrée, oui. Là, on est dans une partie euh, non plus en quinte, oui. mais en ça donc des, des groupes de deux vers. C'est vrai que, par c'est une forme qu'a pas mal utilisé euh, Derek Walcott, Derek Walcott, et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, chez lui, avec beaucoup de euh, voilà, il fallait chercher comme ça des, des, des points de référence aussi dans, dans la poésie euh, euh, contemporaine. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Hein, longtemps. J'aurais bien aimé lui lui, dédier, euh, lui, euh, envo le lui envoyer le, le poème. Voilà. <laughs> Malheureusement, trop tard. <laughs> eh bah. <laughs> euh, la forme. J'y reviens parce que justement, en se, en se laissant absorber, euh, euh, je, je pense à ce, à ce verre, que euh, ce distique aussi. Rythme de mes pas, danser et cadencer lorsque le corps donne l'impulsion des maîtres, pulvérisant l'intellect. Je dis juste ça, c même s'il y a une virgule et qu'on pourrait continuer. Pulvérisant l'intellect, en fait, la forme, le maître, la marche, vient avant euh, le sens. Et le sens est appelé par, par la forme. Comment vous voyez cette, cette attraction et en même temps cette préséance pré de la forme Mais, Oui, en fait, c'est Mandelstam donc, qui a écrit ce, ce, ce texte très beau sur Dante où il parle justement de, de, de ce rythme, de l'importance des, des pieds, de la marche et, et du corps. Donc c'est vraiment à partir d'une de, espèce d'expérience physique de, de la prosodie, euh, que le poème est possible. C'est à la fois la marche, c'est la respiration, c'est vraiment physique. Donc euh, euh, bien sûr, j'ai pas fait le voyage, je ne suis pas allé, euh, je ne suis pas aventurier, je ne suis pas. <laughs> Mais bon, enfin pour, bon, c'est pas tellement la question. cest dire qu'au moment où on écrit, forcément, on, on le fait euh, avec tout son corps et et c'est ça, c'est ça que dit euh, le martellement, c'est ça que dit la, la prosédie, c'est ça qui va appeler ensuite tous les éléments de suturation, de les éléments phoniques, d'harmonisation, le jeu. Du coup, c'est la matière elle-même qui devient qui est, qui est sujet du, du texte en fait, qui, qui écrit le texte. Oui. Oui, c'est un, un concept que vous développez qui est assez compliqué. À, 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 je ne suis même pas sûr d'avoir encore compris. Euh, mais quand vous dites dans votre postface, car il y a une postface qui est vraiment euh, très importante, mais c'est marrant d'ailleurs que ce soit une postface, c'est-à-dire que c'est une, une postface qui dit quasiment tout l'esprit dans lequel le livre a été fait, et en même temps, c'est une postface, c'est-à-dire qu'elle vient après, euh, après la forme, après le poème, et donc on le... On, le, une fois de plus, la, la, la poésie est première, si je puis dire, sur le sens. En tout cas, la forme est première sur le sens. Mais quand vous dites la métrique, dans votre post-face, post quand vous dites la métrique engendre le continent à traverser... Waouh <laughs> C'est complexe. Mais c'est p... vraiment comme ça que ça s'est fait. Pas je n'avais aucune idée préalable, vraiment rien. J'avais juste un peu ce, le, 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 comme ça, ce rythme qui... Est trop caillé, qui me permettait comme ça de... D'avancer de manière binaire, c'est-à-dire très terre à terre, très pas à pas, pied à pied. Ces termes pas à pas, pied à pied reviennent souvent. Oui, oui, euh, oui tout à fait. Cette marche K1K, K1, cette espèce de, 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 comment, comment dire, de, de déglutition binaire de, <laughs> des, des syllabes. Et voilà. D'accord. Après, après ça, ça, 5, et, 5 et 2, les distiques, ça, ça, ça s'est formalisé un petit peu comme ça. Il y a certains textes que j'avais écrits qui étaient un peu plus longs, je les ai quand même laissés. J'en je vois un sous les yeux, Il y en a 7. Je n'avais pas, pas d'absolu. Euh, mmh, Mais c'est vrai que je me suis de me tenir à 5 et, et 2. C'était deux expériences très différentes, une qui condensait les choses, et puis l'autre qui les ouvrait, euh, qui les suspendait dans le temps. Mmh. Euh, vous n'êtes pas d'ailleurs... Euh Enfin, vous allez même jusqu'à euh, des, des formes plus j'allais dire plus lyriques au, au sens où on retrouve des, au moins deux ou trois passages avec des anaphores comme ça qui, qui reviennent, qui marquent le... qui marquent le récit. Genre, je, je pense à celle aux alentours de 1815, juste au bord du siècle XX. L'abîme s'ouvre sous mes pieds ce n'est pas un simple pas à faire dans un avenir flou ou indéterminé c'est l'impression qu'on ne pourra plus revenir en arrière le progrès exponentiel dans lequel il faut trouver sa place confortée aider son pays la science le profit la guerre jusqu'à quand juste au bord du siècle vingt je vais loisir de maintenir mon errance et de traîner les pieds pour ne pas arriver « Ne pas assister au succès de la matérialité, au déchaînement ivre du machinisme tout-puissant, au déferlement de guerre, etc. »« Non, 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 mais S'annonçant sur tous les fronts, si le rêve est de saison, si les raisons se vérifient. Juste au bord du siècle vingt, la crise gagne tous les arts. L'homme pose en immortel, en ombilique de l'univers. » Maître des technologies est libre d'imposer ses goûts quand ses goûts sont corrompus et sa logique assujettie. <laughs> Merci. Bon. Voilà. Bon, bah, ça, ça permet aussi de... de, de cette, cette crise qui gagne tous les arts, ça, ça, ça revient aussi assez, assez fréquemment. 1898, c'est la mort de Mallarmé. Oui. Voilà, et là, donc je sais pas. Ça c'est une coïncidence. <laughs> une coïncidence. <laughs> Mais c'est un japonais. Il arrive de, de là-bas. Le dessin, pour lui, c'est quelque chose assez précis. Oui. Il y a les maîtres des écoles chinoises et japonaises. Et il arrive dans une espèce d'Occident qui, qui découvre une manière de, de défaire plus que de faire. Oui. Et qui prétend s'inspirer même du Japon en même temps, par une découverte euh, comme ça dans l'autre sens, de l'exotisme. Oui. Et donc il est assez, pas contrarié, mais un peu, un peu consterné quand même. Mais est-ce qu'il y a une part de Philippe Brunet, euh, même Haga, dans, euh, dans cette critique des arts Ça, c'est vous qui le dites, euh, bien sûr. <laughs> bon, alors, je... ok, très bien. <rire> je... <rire> Je vais, je vais lire un petit, juste la, 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 un petit bout de préface où, justement, une autre origine est évoquée, celle des slokas du Ramayana commandé par Brahma Valmiki. En réalité, le texte rêve, dans un français issu de Chénier et Baudelaire, à sa future réintégration dans la langue nippone. Le maître lui-même est le pont que le poème bâtit entre l'Europe et le Japon sur la route de la soie et des masques. Chénier, Baudelaire. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, c'est cette matière, cette pureté très très même belle et sublime de la langue, mais il faudrait remonter plus loin, bien sûr. À qui? Au Villon et quelques autres, mais Roland, si vous voulez. Oui. L'épopée anglo-normande, euh, oui, carls bah ben là où le, le français commence à se déployer, là où la cadence euh, accentuelle euh, oui. est encore euh, fond, fond, fondatrice dans, dans le poème, où, où la poésie n'a jamais été purement syllabique, ça c'est une espèce d'illusion scolaire. Euh, et la poésie est accentuelle toujours, à la rime, à la césure bien sûr, dans ses contre-accents et dans ses, et dans, dans ses, ses ruptures. Euh, et, la poésie c'est d'abord c'est d'abord la voix et la, la prise donc cette espèce d'ailleurs ça a beau être mécaniquement 1 2 3 4 5 en réalité c'est plein de contraxants et de, de difficultés d'accents qui tombent sur des syllabes molles ou des ou plus difficiles ou des contraxants donc, ouais. donc euh, je sais plus ce qu'on disait mais chaîné ah oui chaîné j'ai les modelaires. Alors en même temps, ça, le goût difficulté. de la forme quand même, c'est ça que je veux dire. Oui, ben, le goût c pour une certaine maîtrise de. de C'est-à-dire oui et Corneille et, et puis tous ces, ces poètes euh, magnifiques que parfois on dont parfois on ignore la forme parce qu'on veut on veut les rendre plus réalistes plus à la recherche d'une espèce d'authenticité absurde euh, donc anachronique ou ridicule mm -hmm. euh, enfin c'est pas qu'il ne signifie rien et, mais au contraire, mais euh, pour moi, dans cette poésie syllabique issue euh, des de, de, de grandes traditions syllabiques, il y avait malgré tout encore ce chant et ce rythme à l'intérieur, et malgré, j'ai presque envie de dire, les modules syllabiques trop euh, classiques. Et pour. Euh, donc, il y avait un tour à jouer à la langue, bien sûr. C'est celle de, de, de peut-être avec eux, non pas sans eux, bien sûr, mais de, de retourner, euh, retourner les choses qu'on avait tentées avec la, les, les traductions euh, et les, le théâtre. Prendre la langue euh, à, à revers, mais peut-être aller dans son sens, celui qui avait été un peu expérimenté à la Renaissance. Oui, et lequel donc, bah, la, la quantité, rechercher le rythme euh, et le rythme antique, pourquoi pas. Et de, de, de renouer, ne pas tourner le dos, au contraire, réunir. Euh, et faire reviv revivifier un peu cette langue justement par, par l'accent et par les, des modules qui sont pas sur, uniquement à des contes de syllabes. Mmh. Donc c'est à la fois... Donc c'est bi bizarre parce qu'il qu faut, il faut, il faut du chénier, du baudelaire, et du villon, et, et, ou du roland, mais, et mais en même temps... Euh, en même temps, il faut arriver, peut-être, on peut, on peut les déplacer un peu et puis euh, faire jouer euh, ces euh, rythmes immémoriaux euh, d'archiloque e mm. qu'on a ensuite eu chez Zéchille, euh, et... euh... Donc euh... Est-ce qu'il y a. Euh... Enfin, je crois quelque part, vous dites le XXe siècle, vol, escroquerie, singerie, évidemment, c'est dans la. C'est Giro qui dit ça, hein, mais c'était en fait, euh, si on reprend un peu plus haut, euh, au, au vers 1065, quelque chose sur la, une énigme euh, euh, qui, qui est formulée par un pseudo-sphinx. La sphinx, la sphinx m'est apparue. Quelle créature, quelle créature naît couverte du plus somptueux des plumages Resplendit encore au milieu de la vie, avant de se recouvrir le soir de squam repoussant Il se réveillait sans avoir la réponse, quand soudain, un fou rire le saisit L'homme moderne, évidemment ajouta que dans deux ans commençait le grand renouveau, le XXe siècle, vol, escroquerie et singerie. Oui, cette critique du, du modernisme, bien sûr, elle a, elle a une, un point, plusieurs, plusieurs références, mais, mais là, ce sont des citations, des citations en faites à un personnage euh, euh, que j'ai connu dans les années 80-90, et qui, signait, qui a signé certains de ses écrits, mais il reste encore fort, fort peu nombreux à être édités. Euh, qui a d'abord publié quelques textes sous le nom de Vladimir Slépian, qui était peintre, euh, issu d'un mouvement de peinture euh, contemporain des années 50-60, et qui, euh, en échouant à Paris, a, comme ça, a, a connu notre groupe de théâtre antique et, et s'est exprimé dans, dans beaucoup dans les correspondances et dans, et dans un livre sous forme d'une pièce de théâtre, euh, « Les grands-parents ou le théâtre à l'envers le, »,« Le roi du diamant »,« Les grands-parents ou le théâtre à l'envers », spectacle. Et donc, euh, c'est ce personnage de errant de euh, que rencontre, euh, d'une manière fictive, Ejiro. Mais ce personnage qui incarnait aussi une forme de l'errance, parce qu'à 11 ans, il a parcouru 5000 km à pied dans la Russie, alors en pleine euh, Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une petite référence. Oui. Eric Pide. Eric Pide, exactement. Très bien. C'est peut-être sur lui qu'on on, on peut, on peut finir, même si j'avais encore euh, pas mal de questions à poser euh, sur euh, finalement la. Peut-être ce sera la dernière question sur, euh, sur la poétique aujourd'hui. Euh, euh, pour revenir à ce qu'on qu disait, euh, est-ce que est-ce que, est que les, le, par exemple le vers libre est une forme euh, qui euh, qui ne trouve aucun goût à, à vos yeux ou, ou... Ben, Le, le verre libre, s'il repose, euh, s'il ne produit pas euh, son, son rythme, il euh, n'est ben, pas, pas un verre. Mais après, le, le verre, ça n'est pas forcément la répétition d'un même schéma. Ce sont des questions très compliquées c'est difficile de, de, de répondre trop, trop vite. Mais en tout cas, dans l'essor de ce qu'on appelait le vers libre euh, avec Vera Rennes, euh, euh, disons euh, pas mal de Belges aussi, enfin, au, dé au début du XXe siècle, il y a eu le développement, la recherche d'une poésie quantitative, ce qui mmh. était, avait été bien reconnu par Ezra Pound, notamment l'éditeur de Joyce, entre autres. Et. Et donc il y a bien une modernité qui est à la recherche d'une nouvelle liberté contre les, oui, le, la, simple... la, la prosodie classique trop corsetée pour nous, versaillaise, issue oui. du grand siècle. Et seule référence pour nous et, et unique référence, il y a des manières de faire jouer différemment la syllabation, l'accent, la prosodie et le chant dans, dans la poésie aujourd'hui, c'est sûr, oui. Merci beaucoup. Merci. C'était très agréable de vous avoir. Euh, on reviendra sans doute pour une... C'est une deuxième émission, mais cette fois plus euh, tournée vers le théâtre antique. C'est le deuxième euh, grand pan de, votre, de vos activités. Merci beaucoup, Philippe Brunet. Merci, au revoir.